Diego. T'as raté le début du film? C'est plat parce que celui-là, tu peux pas faire un montage. Oui, je sais, c'est juste un message. Oui, mais à quoi ça sert d'avoir un cellulaire si tu t'en sers même pas? Je vais le prendre, ça peut te faire plaisir. Béa, réponds, je t'ai appelé pour hier. Il était pas long, ton message? Non, mais c'est juste que ça me tente pas d'écouter, là, c'est ma mère. Toi, Béa, avoir des trucs à me donner pour le hockey? Oh boy! Moi, je me tiens loin de tout ce qui ressemble à un bâton de hockey. Comment ça? T'as joué toi aussi quand t'as eu Monsieur Laflamme? Non, pas une fois. En fait, je m'étais foulé le poignet. Hein? Ah oui. Tu t'étais blessée. Ouais, ben, ce qui paraît. Hein? Il faut vraiment que je pogne la twist. Là. Mais pourquoi t'as pas en arrière du centre? Il y a souvent du monde qui joue. Non, pas aujourd'hui. Il pleut. C'est ça que le surveillant me laisse pratiquer en dedans. Si ça dérange personne. Ah, OK. Mais en tout cas, moi, tu me déranges pas, là, mais il y a peut-être du monde qui vont arriver. Là. Mais non, moi, je suis sûre qu'il y aura personne. Ils sont tous au cinéma. Ah, c'est vrai. C'est la première de Vampire dans la nuit. Je pars parce que je m'en vais voir ma mère, hein? Ça, c'est bon, mais back. OK, ben, je t'attends ici. Oui, oui, oui. Toi, dis-moi, tu dois avoir des trucs à me donner pour le hockey? Pour le hockey? Hey, Théo. As-tu vu du monde? Ouais. Comme qui? Comme Carl, Sam, Dali, Béa. Tu cherches Dali puis Béa? Au fait, je cherche Béa. C'est parce que je dois lui demander une question pour le cours de sciences. Le cours de sciences? Parce que Béa est pourrie en sciences? Je sais. C'est parce que j'ai oublié les numéros des pages à faire pour demain. Fait que faut que j'y demande. 56 à 60. On est dans le même cours en passant. C'est vrai. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais curieux de dessiner avec des crayons de boboche. Ils ont l'air bien corrects, ces crayons-là. C'est parce que t'as jamais dessiné avec les crayons de Philémon. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, les crayons de Philémon? Ouais, c'est juste que tu peux avoir une pointe grasse ou dure, un trait plus large ou plus fin, t'as plus de choix de couleurs. C'est fou, les possibilités que ça donne. OK, mais pourquoi t'en demandes pas à tes parents si c'est si important que ça? Parce que chez nous, c'est pas comme chez vous, là. C'est pas si simple que ça. De toute façon, t'es pas tanné, toi, de toujours quitter à tes parents? Non. Moi, je trouve que Diego est chanceux. Il peut faire ce qu'il veut quand il veut avec son argent. Ben, pourquoi tu travailles pas d'abord? Ouais, ça fait un bout que j'y pense. Ben oui. En plus, Suzanne cherche peut-être quelqu'un chez Mielbert de Terre pour remplacer Diego qui est parti. Tu peux en parler à tes parents? Ouais, je pense que je vais faire ça. Est-ce que t'as d'autres problèmes à régler? Hey, si jamais tu vois Béa, je suis dans la salle multi. Bon? Je te l'ai dit. 56 à 60. C'est vrai. Merci. Y'a-tu un truc pour passer rapidement d'un bord puis de l'autre à rondelle? Bon, là, moi, je vais prendre un break. Là. Un break de quoi? Le téléphone aux deux minutes? Ha ha! Inquiète-toi pas, elle va revenir, Béa. Pas besoin d'elle pour respirer, quand même. T'as non plus besoin de moi. T'es meilleur que tout le monde en sport. Non, non, y a déjà plein de filles dans mon cours qui jouent à ringuette. Elles vont me clencher. Pis.
Je suis bonne en éduc puis en or. Faut que je garde mes notes hautes, sinon mon bulletin va être trop poche. Ah, voyons, continue, ça va changer les idées. Bon, OK, mais pas longtemps. Hey, Béa! Bonjour. Est-ce que t'es où, là? Ah, non, mais il devrait arriver d'une minute à l'autre. Et regarde, je viens d'acheter une bibliothèque pour sa nouvelle chambre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool. Ouais, penses-tu qu'il faut l'aimer? C'est exactement la même couleur que son lit. Oh! En parlant du loup. Hey, Béa! C'est bien cool que tu sois là. Oui, on était justement en train de se demander si t'allais aimer ta nouvelle bibliothèque! Ah, tu m'as acheté une... Oui! Puis regarde, les coussins pour ton lit. Ben oui, c'est super gentil, maman, mais j'en ai pas vraiment de besoin, puis la bibliothèque non plus. Non, mais tu vas voir, là, je vais te montrer où j'ai pensé installer tout ça. Là. Je te le kidnappe 2 minutes. Oui! Je vais repasser, OK? Non, reste là 2 minutes, là, je fais ça vite. Non, mais je vais revenir, là. OK, mais tu repasses tantôt, hein? Oui. Excuse-moi. Léo! Viens voir! Ça va être magnifique! Non, c'est moi ou ça fait vraiment longtemps qu'il est parti, là? Hey, c'est pire qu'une maladie, ta vie de couple. OK, Rose, on se reprendra, là. Ça me tente plus vraiment. Ah, mais là, c'est go. Je voulais pas te baver, là. Salut. Maman, j'ai pas besoin de tout ça, là. Ce qu'il me faut, c'est des crayons à dessin puis une imprimante. Ah bon, c'est en plus des crayons, maintenant, t'as besoin d'une imprimante. Ben oui, je pourrais scanner mes planches, ajuster les couleurs puis les imprimer. Puis t'as mettrais où ton imprimante? Ben, je sais pas, chez Jeff peut-être, ou peut-être même ici, là. On n'a pas du tout prévu d'acheter une imprimante, Théo. Mais il faut que je m'équipe mieux. Je suis bloqué dans mes projets de BD. Je comprends, mais on n'a pas le budget pour du matériel de BD. Ça coûte cher, tout ça, là. Ben, justement. Ça fait un bout que j'y pense, là. Puis, il paraît que je cherche quelqu'un chez les Langevin. Je pourrais travailler. Pardon? Travailler? Non, 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 non. Mais voyons, pourquoi? Parce que c'est trop. J'ai pas envie que tu négliges tes études, que tu coupes dans ton sport, dans ta BD, dans tes temps libres. Voyons, maman, je vais rien négliger, là. Ça va bien partout. C'est bien d'en profiter. Écoute, t'es super vaillant, puis c'est une bonne qualité. Okay? Mais si tu commences à travailler, va falloir que tu coupes en quelque part. À quoi ça te sert de t'acheter des crayons puis une imprimante si t'as plus de temps pour dessiner? Maman, tu t'inquiètes pour rien. Je vais en trouver du temps. Ah oui? Quand? La nuit? Je suis tannée de vous quitter de l'argent à toi puis papa. Je veux faire mes choix, je veux m'organiser tout seul. Je comprends que t'es de plus en plus débrouillard, de plus en plus autonome, mais faut accepter la réalité. Tu n'es pas un adulte, Théo. Et tu vas être encore dépendant de nous pour un bon bout de temps. Laisse faire. Puis laisse faire la bibliothèque puis les autres gogos. Ça va être mieux pour ton budget. Salut, Dali. Rappelle-moi quand tu reviens, OK? Bye. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai attendu toute la journée au local. T'as plein à t'attendre, hein? Je suis comment bon. J'avais pas tellement envie de te voir aujourd'hui. Puis je savais pas comment te le dire. Oh, là... Là, je m'excuse pour hier. C'est juste qu'il fallait que je reste chez Marion. Elle avait besoin de moi. C'est plate, parce que moi aussi, j'avais besoin de toi. Là, bien. On a pas de main, là. Je m'excuse. Là, tu sais, j'avais 2 millions de copies DVD à faire. J'ai eu un bug. Je pouvais pas laisser la job comme ça. Là. Faut que tu comprennes ça. Ah! Oh, non! Toi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je suis tannée! Là, bien. Tu dis souvent que t'as besoin d'air. Là, c'est moi qui en ai besoin. À Diego! T'es pas avec Béa? Non. Elle vient de partir, là. Elle finit vraiment pas. Comment ça? Je sais pas, fâché. Ah, c'est à cause de l'affaire d'hier, là. Comment tu sais ça? T'étais chez Dali? Ouais. OK. OK. Puis qu'est-ce que tu fais, là? Là, je m'en allais où... local, parce que ça me tentait de jouer au pinball un peu. Mm-hmm. OK, ben je pense que je vais y aller avec toi. Ben oui. Ouais, ouais, OK. Juste faire attention, par exemple, faut que Rose nous saute dessus avec son hockey. Rose au hockey au local. Mm-hmm. Hey, qu'est-ce que t'as dit, Béa? Pas grand-chose de spécial. Théo, tu peux-tu venir ici, s'il te plaît? C'est
dois penser que je veux te mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pas ça. Je veux te simplifier la vie puis pas te la compliquer. Je sais. Ah ouais? Je vois Diego aller ces temps-ci, puis je l'envie, mais je sais que c'est pas toujours facile. Mais je suis fière que tu veuilles travailler. Fait que pour te montrer ma bonne volonté, je te propose d'augmenter ton allocation un petit peu. C'est bon? Ben, c'est super gentil, maman, mais ça change rien. Mais comment ça? Ben, si tu continues de gérer mon budget, même si j'ai plus d'argent, ça va revenir au même. Je comprends pas, là, Théo. Ben, je veux dire, tu fais pas les bons choix pour moi. Tu m'achètes des trucs, puis j'en ai pas de besoin. Comme ça, là, c'est pas nécessaire. J'ai voulu tout régler trop vite, là, mais si tu choisissais tes trucs, est-ce que t'aurais le sentiment d'être plus autonome? Ben... non. Je veux dire, je suis mieux placé que toi pour savoir ce qu'il me faut. J'ai pas besoin de cadre, de coussin ou 200 t-shirts. Non, 200 t-shirts, là. Tant que ça cher. Hey, regarde. Ça, il y en a autant dans ma chambre pis chez Jeff. Sais-tu combien de crayons de pro je pourrais m'acheter avec 20 chandails en moins? T'as pas tout à fait tort. Pourquoi, toi pis papa, vous me donneriez pas l'équivalent de tout ce que ça vous coûte pour une année pour moi? Je pourrais gérer mon budget, là, m'acheter mes vêtements, gérer mes sorties, m'organiser pour mon sport, ma BD, là, tout. Mais c'est ça, des plans là, pour que t'achètes une imprimante de millionnaire, puis après... c'est encore Jeff puis moi qui devons acheter ton manteau, tes bottes, tes vêtements. Tu me fais pas confiance. Non, c'est pas ça. Tu penses pas que c'est un projet un peu intense pour ton âge? Si Jeff est capable de gérer un budget, là, je suis capable aussi. Ça, j'avoue. Si je te prouve que je suis capable de gérer mon budget, est-ce que tu vas accepter? OK, commence par me le prouver, puis après, on verra. Est-ce que je peux t'emprunter ta tablette numérique? Eh boy. Mm-hmm. Bon. OK, t'es prête? Oui. Tu as des prêts? Oui, mais elle est pas trop forte. Place-toi la bas puis sois prête à recevoir le parapluie. Parfait. Go! Okay, go. Oh, aïe, aïe, man! C'est fou! Ça va? Wow, OK, ça va? Laisse-moi regarder. Non, attends, touche pas, là, ça fait mal. Hey, man, je suis vraiment désolé, là, j'ai pas fait d'exprès. Tu dois être content, toi. Pourquoi je serais content? Attends. J'ai quelque chose à me dire, dis-le-moi en pleine face, au lieu de m'entrer dedans. C'est vrai, Diego, t'es allé pas mal fort. Non, je fais rien de correct aujourd'hui. Je te jure, man, j'ai vraiment, vraiment pas fait exprès. J'ai trouvé de la glace. Et voilà. Une feuille de calcul, tu connais ça? Ouais, on a vu ça en info. C'est super pratique, là. Ça calcule tout seul. Mais pas pire certain. Wow! C'est un bon début, mon Théo. Ouais, mais j'aurais peut-être besoin d'aide pour le reste, là. OK, mais vêtements, matériel scolaire, sorties... T'as mis tout ce que t'avais besoin, puis t'as mis le prix dans la colonne d'à côté, c'est ça? C'est ça. Bon, va falloir ajuster les prix, mais... Ouais, je sais, y a des trucs que je sais pas du tout combien ça coûte. Non, mais ça, c'est pas grave, je peux t'aider. Mais pourquoi t'as fait une colonne intitulée Sophie, puis une autre colonne intitulée Théo? Ah, tu vas voir, tu vas tout comprendre. Si tu m'achètes 30 t-shirts par année, puis que moi, je pense que j'en ai juste besoin de 15, je vais pouvoir voir combien j'économise par rapport à toi, et cet argent-là, je vais pouvoir la mettre ailleurs. C'est vraiment une bonne idée. Je suis vraiment très impressionnée. OK, ben on commence? Mm-hmm. OK. Combien tu m'achètes de chandails par année? 30, ça a du bon sens. OK. 30 par rapport à moi, ça fait... wow, une grosse différence, là. C'est pas juste des crayons que je vais pouvoir m'acheter. Ouais, mais emballe-toi pas trop vite, là. T'as quand même oublié une couple de trucs, là. Ah oui? Comme quoi? Ben, ton matériel de sport, l'inscription au club d'athlétisme, les livres, les billets d'autobus... Ah, mais c'est parfait. Ça va encore plus augmenter ton budget par rapport au mien. Tu m'en achètes toujours trop. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais appeler Philémon. Je veux savoir où acheter les crayons, puis je veux m'informer sur l'imprimante. Hey, non, pars pas, là. Je suis pas toute seule là-dedans. Faut parler à Jeff. Oh non, maman, t'es pas sérieuse. Jeff voudra jamais. Il connaît rien des chiffres. Panique pas, là. Fais l'exercice jusqu'au bout, puis si je trouve que ça a du bon sens, on va appeler ton père. Ça te va? OK. OK. Le surveillant est parti chercher d'autres glaces. T'es pour pas ton père? Ouais, maman, là, je capote. D'un coup, je t'ai déboîté l'épaule ou quelque chose. C'est fou. C'est tellement pas drôle, les gars, quand vous jouez. Vous êtes vraiment intense. Voyons. Qu'est-ce qui se passe ici? Touche pas.
peut-être déboîté. Comment ça? C'est de ma faute. Quoi? Et t'es malade? Tu as sauté dessus? Qu'est-ce que tu as dit, toi? De quoi? Wow, wow, wow! Qu'est-ce que t'as rien dû me dire que tu m'as pas dit? Ah, rien, c'est pas lui, c'est moi. Hé! Hey, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Hé, toi, j'ai pas fini avec toi! Bon, je vais faire un beau mois. Toi, faut que t'ailles à la clinique, ça presse. Mais oui, je vais y aller à pied, là, c'est à côté. Hey, Mick, tu vas m'appeler pour me donner des nouvelles, là? Je vais avec toi. C'est cher que ça? Bon, ben, je vais y penser, puis je t'en reparle. OK. Ciao. C'est bien cher, une bonne imprimante. Mais je te l'avais dit, là, mais sois patient, là, tu veux tout en même temps. Viens voir ce que j'ai fait. Tadam! Wow, c'est vraiment complet. Mais tu vois, le transport, matériel de sport, effet personnel. Inquiète-toi pas, là, je vais pas couper dans le déodorant. Non, mais c'est vraiment très instructif de faire ça. Je suis vraiment contente. Bon, va falloir encore mettre pas mal de temps, là, mais... C'est pas grave, ça me tente. Bon, il reste encore pas mal d'affaires à régler. Faut évaluer le nombre de paires de bas que t'as besoin, le nombre de pantalons. Après ça, faut mettre le bon prix pour chacun. Mais je suis vraiment contente de faire ça avec toi, Théo. Est-ce que je peux prendre ça pour un oui? Bien, je suis d'accord pour qu'on essaie. Et merci, maman, t'es trop fine. Bon, on va commencer en te donnant le 12e du budget chaque mois pour l'instant. Puis si ça va bien, on pourrait passer aux 3 mois ou 6 mois. On s'ajustera au fur et à mesure. Puis aussi, il faut voir avec mon budget puis celui de Jeff. Qu'est-ce que t'en penses? Super. J'appelle papa. Mais si ça marche pas avec lui, on va continuer comme avant, ça c'est compris. Tu peux pas avoir deux façons de fonctionner. Oui, oui. Penses-tu que ça se peut qu'il dise oui? Ça se peut. Il est surprenant, ton père, des fois. Allô, papa? Hey, lui! Jure-moi que tu vas laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, je te l'ai déjà dit. C'est moi. C'est toi qui as quoi? J'étais vraiment flue. Je joue un jeu, puis mettons que j'en ai trop mis. Mais il s'est rien passé, je te le jure. C'est toi que j'aime. J'ai vraiment pas été correct, je sais. Mais j'essaie de te faire allumer. Te faire allumer? Voyons, Diego, wake up! Fais quelque chose, parce que moi, là... Toi, quoi? À quoi ça me sert d'avoir un super chum si j'attends toujours après lui? On dirait que je vis la même histoire qu'avec Carl. Wow! Non, 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 mais non, 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 compare-moi pas avec Carl! Je sais que tu te fous pas de moi, mais t'es jamais là. Hier, je t'ai attendu tout l'après-midi, puis tu t'es jamais pointé. Puis tu m'as même pas appelé! Samuel, lui, il est pas venu, mais il a appelé Dali. Je tiens à toi, puis je m'excuse pour hier, puis pour toutes les autres fois. Je veux pas te faire attendre, mais c'est vrai que je suis occupé. Moi, je suis pas comme toi, là, j'ai besoin de mon indépendance. Fait que je sais pas, peut-être tu pourrais... Moi? Non, 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 c'est toi. C'est à toi de faire des efforts, OK? Tu veux vraiment pas comprendre? Ben moi, j'en ai plein mon casque. Puis c'est plate, mais dans ce temps-là, je fais n'importe quoi. Excuse-moi de te déranger. Il faut que j'y aille. Est-ce que tu restes ici? Je sais pas pourquoi. Ben, le surveillant reste avec Mickaël à la clinique. Le local est pas barré, fait qu'il faut que quelqu'un reste là. C'est... OK. C'est correct, toi? Oh, oui. Ben, merci pour les conseils. On s'en reparle. Rose? Oui? Je peux te demander un conseil, moi aussi? Ben oui. Quand Béa a dit qu'elle en a plein son casque, ça veut dire qu'elle en a vraiment plein son casque. Venant de Béa, je dirais pas mal. Je savais que Jeff allait pas embarquer. Faut le comprendre. Hein? Jeff est lui-même complètement dépassé par les finances. Là. Comment tu veux pas qu'il ait peur que son fils fasse des niaiseries?
Je sais, mais il me connaît. Il sait que je suis quand même responsable. J'ai envoyé ta grille de calcul par courriel, puis ça va le rassurer. Je trouve que t'as très bien défendu ton point tantôt. Mais il est temps d'y penser. Oh, Béa, deux fois dans la même journée. C'est rare de nos jours. Allô? Est-ce que je te dérange? Ben non, non. Viens. Je vais en profiter pour ranger ça, moi. Pis, ça va? Bof. Toi? Bof. Qu'est-ce qui se passe? Non, toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tellement envie d'en parler. Parfait. Moi non plus. J'ai juste envie de passer du temps avec mon ami, comme avant. T'as bien fait de venir. Ah, excuse-moi, c'est peut-être mon père. Il faut que je le prenne. Allô? Oui, as-tu reçu le courrier? Hey! Hey! Puis? Ça va, là, j'avais un air de coincé, mais là, il m'a placé. Là. Ça a fait mal? Ben, mais tant que sur le coup, ça a pas fait du bien, mais là, c'est pas pire. Tant mieux. Fait que c'est ça, là, tu m'avais demandé de t'appeler, fait que je t'appelle. Ben, c'est cool, cool. Je suis désolé pour tout ce qui arrive. Moi aussi. Puis, si je te cherchais tantôt, là, c'est parce que, en fait, je voulais dire que... Je veux pas foutre plus le bordel, tu sais. Mais je voulais juste que tu saches que j'ai... Que si jamais à un moment donné t'es toute seule, je suis là, puis... Tu sais, je veux pas qu'avec Diego pis la gang, je veux pas qu'on... Non, puis je comprends. OK. OK, ben prends soin de toi. C'est parfait. Merci, pas. Bye. Maman, Jeff veut. Il veut essayer. Oh, c'est super, ça, mon Théo. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Il se passe que je commence à gérer mon budget. Ça fait que je t'emmène au resto. Oh, oh ça, Théo, ça coûte des sous. On va pas manger un 5 services, là. On va se taper une poutine. Ça te tente? J'avoue que ça finirait bien ma journée. Hey, bébé. Pas de limousine, mais je fais la poutine. Poutine, on arrive.